Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et Compagnie. Alors j'étais en train de construire un nouveau set Lego Harry Potter que vous verrez prochainement sur la chaîne. Il s'agit du Terrier, un set vraiment super génial. Et puis je me suis dit que j'allais faire une petite pause dans la construction pour faire une petite récréation. Et cette récréation, c'est quoi les amis? Eh bien c'est votre courrier et vous le savez, il y en a encore énormément à découvrir. Voici donc la vidéo courrier des abonnés numéro 4. Et comme vous le constatez, il y a encore énormément de lettres à découvrir. Mais en plus de ça, depuis la semaine dernière, d'autres courriers se rajoutent. Avec notamment, vous le voyez, on a encore une lettre de Belgique. Et en plus, ici, un colis super lourd qui nous vient de Corse, d'Ajaccio. Franchement, je me demande ce que la personne m'a envoyé. On verra ça plus tard. Alors, vous le voyez, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. J'aurais jamais pensé que j'allais recevoir autant de lettres. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, eh bien, vous allez voir que dans cette vidéo, très très régulièrement, vous allez avoir mon adresse qui s'affiche ici dans le coin supérieur droit. Donc, allez-y, franchissez le pas, écrivez-moi et posez-moi des questions, car on pourrait très bien imaginer également cette rubrique courrier des abonnés en rubrique courrier des abonnés FAQ. Donc, si vous avez des questions dans vos lettres, eh bien j'y répondrai. Allez, on y va, on commence. On en a quand même encore beaucoup à découvrir. Alors comme d'habitude, je prends des courriers au hasard, hein, donc ne vous découragez pas si vous n'y êtes pas cette fois-ci. Vous y serez sans doute dans la prochaine. Alors ici, c'est une lettre qui nous vient de Saint-Étienne et c'est Lucas qui m'écrit. Alors Lucas. Donc Lucas, tu m'as écrit une lettre, plus un petit dessin, et là je devine déjà que c'est mon logo. Et ça, forcément, on le reconnaît entre mille, il s'agit de Pikachu, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans. Ça fait 4 ans que je regarde tes vidéos. 4 ans, ça veut dire que t'es quasiment là depuis le début, c'est bien ça. Quand je rentre de l'école, je te regarde sur YouTube, sur Instagram. J'adore ton monde, merci. Ah, c'est génial, ça me fait plaisir que tu me dises que t'adores mon monde. Je peux te demander de me répondre à ma lettre et avoir une photo dédicacée, s'il te plaît, merci. Alors, tiens, la photo dédicacée, ça c'est quelque chose qu'on ne m'a encore jamais demandé. Et pour l'instant, je peux te dire que des photos, ben, j'en ai pas. Je verrai pas vraiment quel type de photo t'envoyer. Et en plus, imagine, là, maintenant qu'on en a parlé, je vais avoir des dizaines et des dizaines de demandes. Et répondre au courrier, c'est extrêmement difficile et extrêmement long pour moi parce que ça prend énormément de temps. C'est pour ça que j'ai mis en place en fait cette rubrique vidéo, le courrier des abonnés. Car je peux lire votre courrier et vous répondre en direct. Mais si je devais prendre du temps pour tous vous répondre un à un par courrier, eh bien je ferais plus de vidéos et ça serait dommage, non? Vous n'êtes pas d'accord? Je pense qu'il vaut mieux utiliser ce temps pour faire des vidéos et vous proposer des trucs cool que de vous envoyer des lettres. Et malheureusement, je suis désolé, mais je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Hey! Waouh! Mais c'est trop génial! Excellent, Lucas! Oh, waouh! Là, vraiment, 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 bravo, t'es un artiste. Tu m'as fait une Pokéball, tu m'as reproduit mon logo, très très bien reproduit. Ici, c'est le dessin de Pikachu qu'on a vu. Et là, c'est ma figurine pop. Excellent. Bravo, tu l'as très très bien recopié. Et là, hé hé. Ah là là, la basket Reebok Ghostbusters. D'ailleurs, vous allez voir, une surprise arrive très très bientôt. Très très bientôt. Eh ben, là, félicitations, Lucas. Tu m'as fait vraiment un dessin juste magnifique. Allez, on continue, on touille, on touille, on touille. Je vais prendre celle-ci. Cette fois-ci, nous allons à Bordeaux. C'est Baptiste qui m'écrit. Et c'est chouette car cette rubrique courrier des abonnés nous permet de voyager dans toute la France. On était à Saint-Étienne tout à l'heure, là, à l'instant. Maintenant, nous allons à Bordeaux et même au-delà de la France puisque on a du courrier du Canada, de Belgique, de Suisse, d'un peu partout. Donc, qu'est-ce que tu m'as envoyé, Baptiste? Ok, l'enveloppe est vide. Découvrons ça. Il y a plusieurs choses. Plusieurs petits papiers. Ça doit être une photo ou un dessin. Ça, c'est ton petit mot. On va commencer par lui, si t'es d'accord. Bonjour, super héros et compagnie. Moi, c'est Baptiste, j'ai 7 ans et demi, et mon petit frère s'appelle Antoine, il a 5 ans. Salut les amis, nous sommes fans de vous. C'est quand que tu feras une vidéo de Brawl Stars? J'adore Paper Mario
et les cartes Pokémon. Au revoir Baptiste et Antoine. Alors Brawl Stars, c'est du jeu vidéo, donc ça sera sur mon autre chaîne Hero Game Company. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour l'instant avec les fêtes de fin d'année. J'ai énormément de travail, peut-être en début d'année prochaine lorsque ça sera un tout petit peu plus calme. Voilà, donc ça c'était la lettre de Baptiste. On va voir maintenant ce qu'il m'a envoyé d'autre. Une photo! Ok, ah, ça fait plaisir de te voir, Baptiste, génial! Et j'imagine qu'à côté, tu dois avoir envoyé une photo de ton petit frère. Ouais! Antoine! Waouh, t'étais dans un musée là, Antoine! Magnifique! Vous êtes superbes, les amis! Baptiste et Antoine, je suis très très content que vous m'ayez écrit, les gars! C'est vraiment super cool, super sympa de votre part. Allez, on enchaîne maintenant. On va se prendre... Tiens, allez, je vais prendre celle-ci. Là, il y a quelque chose de lourd à l'intérieur. Et nous allons aller hors des contrées de France. Nous allons partir en Belgique. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, un dessin, plusieurs dessins. Alors, tu t'appelles Coralin, c'est ça? C'est Coralin? Alors non, c'est Coralien, c'est ce que j'ai vu sur l'enveloppe. Eh bien. Chien et chat. Super héros. Oh là 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 là. Vous êtes talentueux, les amis. C'est absolument incroyable. La maison volante de Coralien. Pour mon super héros. Waouh. Ce serait pas plutôt comme ça avec les ballons qui soulèvent la maison? Je pense que oui, hein. À mon avis, ton dessin devait être comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, c'est quoi ça? C'est des sneakers. Et le drapeau belge, une trottinette. Donc Coralien, c'est dommage, tu m'as pas mis ton âge. J'aurais bien voulu savoir quel âge tu as. Ah, attends. Je retire. Il doit y avoir un mot là-dedans. Maison monde de Coralien de Belgique avec le drapeau belge. Vous êtes également très très nombreux de m'écrire et oui, de m'écrire et de me regarder également. Et là, on a quoi? Ah, c'est ça que j'ai senti. C'est une bille. J'adore. Tu sais quoi? Quand j'étais petit, j'adorais les billes. À la cour de récré, on faisait plein de compétitions avec les amis. Et j'en avais vraiment de très très belles. Et celle-ci, elle est vraiment vraiment top. Je sais pas ce que vous en dites les gars, mais c'est top. Regardez l'effet que ça fait en plus quand vous regardez au travers. Génial. Merci Coralien pour ta bille. Mais c'est pas tout. J'ai encore vu d'autres petites choses. Ça doit être des cartes ou des autocollants. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Là, ah ça c'est Fortnite. Omega. Là aussi, c'est Fortnite. Et toi aussi, t'es un fan de Fortnite, manifestement. Et lui, c'est qui, Antoine Martin? Je ne le connais pas. Joris Julian, ce sont des joueurs de... Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des gens de ton pays? Je vois pas. Ouais, ça doit être des sportifs, en fait. Des enfants sportifs qui jouent. Crackshot, donc ça, c'est encore... Ok, ça, c'est quoi? C'est du MMA, c'est du fighting, c'est slop... Je ne connais pas. Ça, c'est une discipline que je ne connais pas du tout. Et là, effectivement, on a des photos d'enfants sportifs que tu m'as envoyées. Ça, c'est du rugby, ok. Là, il y a encore un autre joueur de rugby. Fortnite. Ça, c'est un joueur de basket. Et encore une autre personne. Ok, bon, bah super, Coralien. Merci beaucoup pour ta lettre et pour tes dessins. Et je salue tous les amis de Belgique qui me regarde. Allez, on enchaîne, on passe au courrier suivant. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Tiens, celle-ci. Très, très belle écriture, je trouve, c'est génial. Et cette fois-ci, nous partons de la Belgique et nous allons en Suisse. Allez, hop. Y'a plus rien dans l'enveloppe. Waouh, mais quelle écriture. Je suis fan. Je suis archi fan de cette écriture. C'est vraiment très, 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 très chouette.
Bonjour monsieur super-héros et compagnie, voici une petite lettre de mon fils. Il s'appelle Gian, c'est ça, je prononce bien. Il a 6 ans, il adore votre chaîne YouTube. Il s'est donné beaucoup de mal pour vous écrire. Nous vous saluons depuis la Suisse. Bonne continuation, salutations Andrea et Gian. Merci beaucoup Andrea et Gian. Alors qu'est-ce que tu m'as fait comme dessin? Oh oh oh. Il y a plusieurs choses que je reconnais ici. Là, nous avons Pac-Man avec les fantômes. Ici, ça doit être un Trésor X. Là, on est sur un champignon de Mario. Ça doit être un Goombas, ça, si je me trompe pas. Le bouclier de Captain America. Ça doit être une pièce de Trésor X. Et là, nous avons une Nintendo Switch. Bravo, 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 bravo. Et même un petit mot que tu as écrit de tes propres mains. Bonjour, super héros et compagnie. J'aime les vidéos Gujitsu et Trésor X. Diane, 6 ans. Bravo, vraiment. Félicitations. Vous vous donnez tellement de mal pour m'écrire. Ça me fait tellement plaisir. Et quand je suis en train de faire des vidéos, que je suis un peu fatigué, eh bien vous voyez que ces petites pauses là me font, voilà, ça me rebooste. Là, je vais être après gonflé à bloc pour continuer à faire des vidéos. Tiens, là, j'ai un petit personnage que je connais bien. C'est Scooby-Doo, quelque chose que je regardais quand j'étais petit. J'adorais quand Scooby-Doo disait « Oh, Sammy !» Sammy, c'était son pote. Alors du coup, comme il est tombé de l'enveloppe, je sais pas si c'est Coralien ou si c'est Gian qui me l'a envoyé. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires si vous regardez cette vidéo. Ensuite, tiens, on va faire un peu de place. Et on va ouvrir cette grande enveloppe. Là, une fois de plus, nous partons en Belgique. Nous y étions. On descend en Suisse et on remonte en Belgique. Alors. Et ici, il s'agit donc d'Eliott qui m'écrit. Ah, 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 ah. Ça, c'est un prénom qui me dit quelque chose, Eliott. Voyons voir ce qu'il y a dans cette grande enveloppe. Waouh, il y a plein de choses, plein de dessins. Waouh, là, vraiment, on va se prendre un peu de temps. Un coloriage de Captain America. Eliott, 5 ans, bravo. Pour 5 ans, eh bien, vu ton âge, tu coloris super, super bien. Peppa Pig, ah, toi aussi, t'aimes Peppa Pig. Peppa et George, génial. Ah, là, c'est le méchant, ouais, celui-là, le crâne rouge. Il était terrifiant dans le film. Les Aristochats, un dessin animé que j'ai beaucoup aimé lorsque j'étais petit. Et ici, le Roi Lion. Là, c'était mon Disney préféré, mon Disney classique préféré. Et le Petit Mo, avec mon logo, une nouvelle fois, imprimé. Génial. Bonjour, super-héros et compagnie. Dans un mois, j'aurai 6 ans. Je suis fan de tes vidéos. J'aime beaucoup tes vidéos de Trésor X et Gujitsu. Mais j'aime aussi les autres. J'ai regardé toutes les vidéos de Paper Mario sur Hero Game Company. Merci, ça fait super plaisir car c'est réellement un excellent jeu. Je t'ai fait plein de jolis dessins et des petits cadeaux. J'espère que tu les aimes bien. J'aimerais bien que tu nous montres ta tête car je me demande à quoi tu ressembles. Oh, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes très, très nombreux à me demander ça. Peut-être qu'un jour le format de la chaîne va changer. On verra ça. J'espère que tu liras ma lettre devant la caméra. Et bien voilà, c'est fait. Ça me ferait trop plaisir. Je t'envoie des gros bisous, Eliott. PS, je t'offre un Gecko and Company. Ok, tu connais? Oui, bien sûr que je compagne. Ah non, c'est un Gecko and Co Shot. Je crois que ceux-là, je ne les ai pas fait à l'époque. Je ne les ai pas fait. En tout cas, je te souhaite, avec un mois d'avance, eh bien, un très très joyeux anniversaire et j'espère que tu seras gâté, Eliott. Donc, voyons maintenant tout ce qu'il y a encore dans cette grande enveloppe, plein de choses. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça, c'est un... Ah, ça, quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Relier les numéros pour faire apparaître le dessin. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors, attendez, on va pas mélanger tout ça. Et il est là, le Gecko & Co. Je vous avais fait, effectivement, les Gecko & Co normal. Vous les retrouverez très très facilement sur la chaîne. Mais je vous avais pas fait des Gecko & Co Shots parce que vous voyez ces geckos, eh bien ils sont vides et on peut les tirer comme ça. Vous les prenez comme ça et vous faites bim. Ah, il a tiré en arrière. Mais en gros c'est ça quoi. Paf. Excellent. Je vais le récupérer.
Bon, bah merci beaucoup Elliot, déjà, ça c'est cool. Qu'est-ce que t'as encore? Tu t'es vraiment donné du mal, hein. Oh là là, génial. Regardez si c'est pas beau ça. Une carte Pokémon. Un Barloche. Barloche, je crois que Barloche, je ne l'ai pas encore en plus. Cool, merci beaucoup. Quoi d'autre? Là, on a des petites pochettes. Je vais ouvrir ça à la fin. Oh, là, c'est un grand dessin. Là, c'est une grande feuille. Oh là 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 là, des cœurs, regardez, ça prend tout l'écran. Superbe. Génialissime. Ah là là, merci beaucoup, Elliot. On assemble le pompier ici. Magnifique, réellement. C'est super, super chouette. Je vais faire un peu de place parce que sinon, bientôt, on ne verra plus rien. Maintenant, c'est quoi ça? Allez, on va voir, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Un personnage en perle à repasser. Et là, ce sont... Ah, tiens! Des cartes Bakugan. Serpentaise Ultra. En plus, ce personnage-là, je l'ai. Ça, c'est cool. Hey, tortue géniale! Waouh! Elle est superbe! Je sais pas si vous le voyez, mais la carte est transparente. Elle est brillante et transparente. Tortue géniale. Si c'est pas génial, ça. Oh là là, ouais, Vegeta. Là, on voit bien la transparence, regardez. Une carte de Vegeta. Génial. Ensuite, ce personnage-là, je le connais pas. Je suis pas un très grand spécialiste de Dragon Ball. Si vous le savez, vous me le mettez dans les commentaires. Et là, on a Hidorus également, un Bakugan que je possède. Alors, voyons voir maintenant ce personnage en perles. De près, on voit pas trop, mais regardez quand vous vous éloignez. J'ai l'impression que c'est un petit hibou. Un petit hibou qui porte un bonnet et une écharpe. Génial. Ça, c'est trop cool. Vraiment, c'est vraiment trop trop cool. Merci beaucoup. Et on a une deuxième pochette. Tu t'es surpassé, hein, Elliot, hein. Bravo, hein. Je suis super content, hein. Ouh là là, c'est quoi ça? Oh, mais c'est un puzzle. Un puzzle que toi-même, tu as colorié. Il y a pas mal de pièces. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir le faire ici, Elliot. Mais ce que je te propose, je le fais. Et lorsque je l'ai terminé, je posterai la photo sur mon compte Insta. Comme ça, tout le monde pourra admirer le puzzle et voir ce qu'il y a comme dessin derrière. Ça marche? On fait comme ça? Alors merci encore, Elliot, pour ce petit personnage en perles à repasser. Vous êtes réellement des spécialistes de la discipline, manifestement. Tiens, petite question qui me vient. Est-ce que ça vous intéresserait que j'organise un concours sur les perles à repasser? Bah, le principe serait très simple, hein. Sur un thème donné, vous réalisez une de ces créations que vous me faites parvenir à mon adresse et on départagera la plus belle création et le gagnant recevrait un cadeau. Est-ce que ça vous intéresserait, ça? Si oui, ben vous me le mettez juste là en bas dans les commentaires et on va essayer d'organiser ça rapidement. Bon, je vais devoir faire un peu de place. Je suis désolé parce qu'on voit même plus les lettres tellement j'ai de courriers là et de dessins. Magnifique, hein. Réellement, bravo les amis. Vous êtes trop forts. Bon, on va encore en ouvrir une dans cette vidéo parce qu'on a déjà bien avancé dans le temps là et j'ai encore beaucoup de travail. Donc allez, on y va, on choisit. Allez, je vais prendre celle-ci. Désolé si je fais des déçus, hein, mais continuez à regarder. Vous serez forcément dans la prochaine ou dans la suivante. J'ai tellement de courriers. Ça prendrait trop de temps à tous les ouvrir et les lire dans une seule vidéo. Alors. Où allons-nous cette fois-ci? Waouh, là, par contre... Je peux dire que... T'as super bien scotché l'enveloppe, hein. Bravo, hein. Elle risquait pas de s'ouvrir. Alors. Hop. Qu'avons-nous là? Un dessin et une lettre, ok. Alors, elle est où ta lettre? Elle est écrite à l'encre invisible. Non, elle est là. Il est là le message. Bonjour, je m'appelle Lenny. J'ai 10 ans, j'aime le foot et je dessine bien. J'espère que tu vas
bien, bisous de loin. Oui, bisous de loin. Oui, c'est sûr que pour l'instant, des bisous, ben, on peut pas les faire. Éléphant, et le dessin, c'est quoi? Oh! Oh oui! Regardez, il est superbe! Mais c'est un magnifique portrait de Spider-Man. Lenny, tu es un artiste, réellement. Merci beaucoup. Vraiment, merci, merci, Lenny. C'est trop, trop top de m'avoir écrit. Et ben voilà, t'as eu l'honneur de figurer dans la vidéo. J'espère que ça te fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui nous reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec le gros carton. Waouh, 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 ça va encore faire énormément de lettres à découvrir et de vidéos, au moins deux vidéos de plus. Je vous les ferai très très rapidement, je vais essayer vraiment de faire ça un peu plus vite pour que vous n'ayez pas à attendre trop trop longtemps. Eh, celle-ci elle est belle, hein. Celle-ci, promis, ça sera la première à être ouverte dans la prochaine vidéo. Et regardez-moi ça, une montagne de dessins qui vont s'ajouter eh bien, à tous les dessins que j'ai déjà de votre part. Une fois de plus, les amis, je ne peux que vous dire merci beaucoup. Merci énormément pour votre fidélité. Merci pour votre gentillesse, pour avoir pris le temps de me répondre, de m'envoyer ces petits cadeaux au quotidien. Ça y est, je suis en forme, je suis réveillé, je suis reboosté. Je vais pouvoir continuer la construction du terrier Lego Harry Potter que vous verrez très très prochainement. Je vous embrasse tous de loin, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles ouvertures de courrier sur Super Héros et Compagnie. Bien sûr, portez-vous bien, à très très vite, bye bye, ciao.